Alors, je vais tester le Creative 2.0 de Fortnite en testant une map qui est proposée par équipe Epic Games. Alors ici, il y a Forest Guardian qui est intéressant, il y a The Space Inside, il y a Domination. En vrai, je vais tester Forest Guardian parce que je pense que la map a l'air vraiment badass. Donc c'est parti. Alors déjà, on peut voir que la map est mise à jour, quoi, carrément. Donc en fait, quand vous allez lancer des maps créatives 2.0, ça va pas se charger super rapidement. Je pense qu'il faudra un temps de chargement et un temps de téléchargement pour justement télécharger la map sur un serveur dédié à Fortnite. Vous ne téléchargez pas sur votre console ni sur votre PC, mais vous allez devoir télécharger sur le serveur dédié la map qui a été créée en Creative 2.0 pour pouvoir y accéder. Et franchement, bah c'est déjà super, super pas mal. Hein. Franchement, j'aime bien. Le décor, les graphismes ont l'air vraiment bien. Donc on va avancer un peu. Ah, en plus, c'est en français parce qu'il est marqué objet à détruire. Ok. Donc ça, c'est cool. Mais c'est... Waouh. Ok. C'est Fortnite qui a créé, donc forcément, je pense qu'il a traduit. Après, il y a sûrement des maps créatives 2.0 qui ne sont pas traduites. Hein, donc ce sera sûrement en anglais. Faudra s'habituer. Enfin, faudra essayer de comprendre. Alors là, j'ai qu'une pioche. Il y a des loups. Est-ce qu'ils vont m'attaquer? S'ils ne m'attaquent pas, moi, je les attaque. Hein. Ok. Et de 1. Et de 2. Ok, ils ne me donnent pas de bouffe. Je pense que c'est vraiment... une map créée pour tout simplement voyager, découvrir les possibilités de Fortnite. Hein. Ok, fallait que je casse les bois. Pour montrer un peu la qualité graphique du jeu. Ah, impossible. Ok, donc là on a une petite cinématique avec un dragon. Assez sympathique. Donc ça c'est créé uniquement avec Unreal Editor Fortnite. Hein. C'est vraiment créé de A à Z par le Creative 2.0, donc même vous allez pouvoir refaire exactement tout ce que vous voyez là. Donc c'est un truc de ouf. Bon, après, faut un PC. Hein. Après, sur console, il n'est pas encore disponible. Ok, donc je suppose que je dois tuer tous les loups. Avec une épée, c'est déjà beaucoup mieux. Ah ouais. Mais c'est trop stylé. Voilà, je vais mourir. Ah ouais, mais... Oh merde, je suis mort. Non, mais c'est trop stylé en vrai. Tu vas avoir des... Enfin, je pense qu'on va pouvoir avoir de nouvelles armes. Parce que là, cette épée, je pense pas qu'elle est déjà sortie sur Fortnite Battle Royale. Hein. Après, elle est peut-être en mode sauver le monde, je sais pas. Mais là, ça veut dire qu'on va peut-être avoir des nouvelles armes créées par des créateurs. Ça pourrait être une dinguerie. Mais voilà, j'ai tué tous les loups. Ah, l'œuf s'ouvre. Je récupère la pièce. Je dis bonjour au dragon par la même occasion. Salut Spyro. Il a grandi. Ok, sympathique. Je crois que c'est fini. Non, c'est fini. Ok, ok. Donc en fait, c'est vraiment un petit extrait, quoi. Et la partie, elle est finie. Là. C'est vraiment un petit extrait de quelques minutes. On va essayer de lancer une deuxième map, quand même. Alors, on va tester The Space Inside. Parce que Domination, je pense pas que je vais la tester. On va peut-être la tester 30 secondes. Mais voilà, je pense que c'est un peu un mode Call of Duty. Tout le monde se tire dessus, voilà. C'est pas super intéressant pour moi. Moi, je préfère tester des nouvelles créations, des nouveaux univers et tout ça. Donc voilà, The Space Inside a l'air pas mal. Ok, une petite cinématique d'entrée. Ah, mais ouais, je crois que je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu sur Twitter et sur YouTube. Je crois que c'est un escape game hein, ou un escape room. Escape game, enfin voilà, c'est un truc où il faut sortir de la pièce. Alors, turn on, ok. J'ai une lampe de poche. D'accord, j'ai vu qu'il y avait des clés là, parfait, on récupère les clés, on ouvre la porte. Ok, on arrive dans une pièce et là on est en vue première personne. Ok, alors open the door, donc ouvrir la porte, alors c'est pas en français, donc ça c'est un peu dommage. Ah, quoique celui-là il était en français j'ai l'impression. Ok, avec ce fusil on tire, ici on ouvre l'électricité. Alors ici, nous avons des petites écritures en anglais. Ça, c'est quelque chose que je trouve très, vraiment dommage parce que moi, je sais pas lire l'anglais, donc je sais pas ce qu'il est marqué. Mais voilà, ici, il y a un petit truc à interagir, le book. D'accord, ça nous ouvre une autre pièce. Là, nous avons un piège qui va nous, bah, tout simplement nous flinguer si on bouge pas. Ah ouais, d'accord. Non, mais je voulais juste tester pour voir si je fonçais dedans, mais... Ben voilà, j'ai la réponse. Ah ouais, ok, maintenant je recommence au début, ok. On réessaye. Cette fois-ci, on va pas foncer sur les pics. On va trouver la solution. Allumer. Ok, ça allume une trappe. Ok, ça ouvre une trappe plutôt. On saute dedans. Et là, on arrive dans des souterrains. Je perds ma torche. Ok. Allumer.
Ok, on allume l'électricité. Ah, on descend encore plus profond. Ah ouais, mais là, on arrive dans un truc futuriste, en fait. Ah, mais c'est comme sur l'image du jeu, en fait. L'affiche du jeu. Ah, je suis bloqué. Ah, ici. Open hatch. D'accord. Donc, je pense que je dois réparer les choses pour que les portes s'ouvrent. D'accord. C'était si simple que ça. Ça va. Ah, j'ai ouvert le loquet de droite. Enfin, le verrou de droite, mais pas celui de gauche. Il faut que je répare celui-là. Mais il me manque une barre. On va chercher cette barre. Ah, l'ascenseur se lève. Voici une barre. Parfait. Et là, on va ouvrir le deuxième loquet, ce qui va nous donner l'accès à la porte pour aller voir la suite. Alors, je dois interagir avec le bouton qu'ils m'ont montré. Et là, tadam, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe. Ah, voilà. D'accord. Et là, on arrive dans une petite ruelle assez sympathique. Unlock sécurité door. Ok, ouvrir la porte de sécurité. Maintenant que j'ai ouvert la porte de sécurité, on va retourner en arrière parce que j'ai l'impression que ça a ouvert quelque chose. Ouais, donc ça a ouvert cette porte-ci. Et quoi? Ouais, je peux pas y aller. Ah non, je dois tirer. Ben ouais. Boum. D'accord, maintenant je peux y aller. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai envie de première personne. Quoi, je vais devoir tirer sur des cibles? On va déjà recharger. Ah, mais on va vers un nouveau monde en fait, c'est ça? La lumière blanche. Allons vers la lumière blanche. Ok. Ah, donc ça, c'est les lieux où j'étais. Mais c'est quoi ce délire? Je suis dans une dimension temporelle bizarre, chelou. Je sais pas quoi faire. On va aller vers l'espace. On va voir ce qui s'y passe. Et là, petite cinématique. Alors, je pense que j'ai terminé aussi l'escape game. C'était pas très compliqué. Hein. C'était pas très long non plus. Et oui, effectivement, j'ai bien terminé. Là, j'ai le son de la victoire. Donc, j'ai bien terminé la deuxième map. Donc, c'est des petites maps. C'est pas très rapide. C'est pas très long. Mais voilà, c'est pour vous montrer la possibilité des futurs jeux qui pourraient arriver en mode créatif 2.0. Et là, on va quand même aller tester la troisième et dernière map que je vais faire dans cette vidéo. Si vous voulez que je teste des maps, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. On va tester, elles sont où? Par Epic, elles sont ici. Voilà, on va tester Domination. On va voir un peu ce qu'ils ont fait. On va pas lancer en privé, on va lancer en public. On va voir un peu ce qu'ils ont fait en mode Call of Duty, quoi. Alors, je sais pas si c'est normal, mais j'ai spawn dans la map, dans le noir. Ok. Donc là, j'ai attendu. On va voir si ça va me réapparaître. Ok, ça me réapparaît tout le temps dans le noir. Ça ne va pas, ça. Je peux pas lancer le jeu ou quoi? Non, c'est un peu chelou. Je crois que la map est buggée. Bon, la map déserte Domination ne fonctionne pas. Je crois que c'est un bug. Là, j'ai relancé la partie plusieurs fois et ça ne fonctionne toujours pas. Donc, je vais m'arrêter là pour la découverte des maps créatives 2.0 de Fortnite.